Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa, la locomotive des émissions Buzz en Côte d'Ivoire. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, en compagnie de la charmante et célébrime Sim Yumi, la muse. Comment vas-tu, Defalé? Bonjour. Ça va super bien, Yumi, et toi même? Très, très, très bien. Super, super. Surtout top. Avec le son qui me fait transpirer en ce moment. Ah ouais, le retour des légendaires. Ah, on va faire comment? De temps en temps, faut mettre un petit coup de pied dans le foin. C'est important. En tout cas, bon retour. Merci, 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 merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la dernière saison, alors on va dire la dernière émission de la saison. Oui. Et pour cela, on n'a pas fait dans la dentelle, on a invité deux personnes en même temps, c'est-à-dire la productrice et l'artiste. Bon, c'est très rare de voir cela dans le Fafa, car c'est une productrice qui a fait ses preuves dans le milieu où la femme n'a pas vraiment sa place, mais elle a réussi quand même à se faire une place en mettant en production des artistes très talentueux aujourd'hui qui sont, disons, à la lumière et en pole position dans le mouvement du showbiz musical. Aujourd'hui, elle, avec son nouveau produit, son nouveau projet, bon, c'est un ancien aussi, mais aujourd'hui, soit accordé afin de pouvoir mettre encore des nouvelles choses sur le marché. Lui, il dit, quand il chante, il dit, dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui Anderson Premier et Emma Dobré Productions. Bonjour Emma. Bonjour Defalé. Bonjour Anderson Premier. Bonjour Monsieur Defalé. Bonjour à vous et bienvenue dans la maison de la torture. Oui, ça fait plaisir de vous retrouver. Surtout de retrouver Emma Dobré. Ouais, Emma, comment tu vas? Je vais super bien. Merci, et toi? Oh, on essaie de faire ce qu'on peut. Bon, depuis Paris jusqu'à Abidjan, on est toujours là, on est dans le même schéma. C'est pas faux. En tout cas, moi, en tout cas, Defalé, faut te joindre à moi. D'accord. Pour lui dire félicitations. Pourquoi? Merci. Voilà, parce que j'ai vu, il y a eu une publication où on dit qu'elle a reçu la maison et clé. Donc, moi, maison de Prumude, là. Okay. Donc, il faut qu'on la félicite. Parle à la disait qu'elle prit de caution et de nid énorme d'Abidjan. Donc, si elle a une maison, il faut qu'on félicite. Que l'on a déclaré qu'il lui a offert la maison. Oui. Okay. Et puis, c'est la raison qu'elle a reçu, pardon, félicitations, vraiment. On peut te féliciter, c'est bon? Oui, mais je pense que je revenais en août. En août? Pourquoi? Ouais. Même si tu n'es pas là, c'est pas grave. J'ai quand même venu toute seule. Et puis, à ce moment, je vais annoncer. En août, pourquoi? Je vais vous montrer les clés. Les clés, en août, ok. Ah, d'accord. Pourquoi c'est ça? La question reste posée. La question reste posée. En août. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Alors, Emma Dobré, quand tu sais, une jeune femme talentueuse, mais pourquoi tu viens te mettre dans le lieu du show? Il faut que tu pas ça. Ça me fatigue un peu. C'est quoi? C'est une passion. Ouais, c'est une passion. Ouais, c'est une passion. Ok. Depuis déjà très jeune, je suis déjà dans le milieu du showbiz. Ok. Sans productrice. D'accord. J'avais déjà des contacts, des artistes, des managers, des producteurs. Et donc je pense que c'est la même chose quand j'ai connu Kérosa, je me suis dit bon, l'occasion se présente, donc je me lance dans la production. Et puis voilà. Ah ok. Quand tu fais quelque chose avec l'amour. Alors aujourd'hui, Anderson Premier est un artiste, tu es sa productrice, c'est ça? Non, peut-être dans le futur, mais là pour le moment je fais juste le concert d'Anderson Premier. Voilà, je ne suis pas sa productrice, je suis sa sœur. Ok, sa sœur, ah bon. Bon, ça, sur quelle souvent, forme? Même père, même mère, même pas. Oncle, même tante, je sais pas. Même tante. Ah, même tante. Même tante. D'accord. Mais est-ce qu'à l'avenir, il y a un risque qu'il soit produit en haut et en bas? Au milieu. Ah, ok. Bon. Au milieu. En haut, en bas, ça c'est déjà passé. Maintenant, c'est au milieu. Donc maintenant, tout. Mais attends, Emma, si tu es venu dans le milieu pour produire tous les garçons. Si tu as produit tous les garçons. Mais il n'y a pas de qui produit pas les femmes aussi. Avec les femmes là. Comme on se connaît, ça va pas le faire. Pas bah, depuis, ouais, regarde dans tes premières. Est-ce qu'elle a déjà testé au moins? Non, il n'y a pas de problème. J'ai même pas envie, même. J'ai même pas envie. Ça me traverse pas l'esprit. Non. Parce que tu produis les garçons. Mais peut-être, on dit l'on propose, Dieu dispose. Donc peut-être dans le futur, peut-être plus tard. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à l'instant T là, c'est pas dans mon projet. Mais le conseiller, même quand on a dit au milieu là, on voit sa joie. Il n'a pas parlé. Il y avait les étoiles. Les deux jeux. Mais donc tu dis que votre collaboration. Donc, bon, en ce moment, Anderson Premier, toi et Emma, votre collaboration c'est quoi? C'est sur un concert? C'est sur un concert. Attends. Mais quel genre de concert? Concert. Un concert. C'est de quel concert il s'agit? C'est de quel. Comment ça? C'est de quel concert il s'agit? Tu dis concert, un concert, c'est un concert. Enfin, on parle de milieu, puis c'est où elle sort dedans là. Franchement, parce que j'ai pas une affaire, elle a dit, elle produit maintenant au milieu. C'est plus en haut, c'est plus en bas. Donc, on ne l'écoutez pas. C'est le mot qui est gros, sinon c'est un concert. Puis c'est un événement. Bon?
C'est un événement. Sinon, non, c'est qui le sera bon. Oui, qui sera bon. Succulent. Comment ça? Appétissant. Fort. Le concert sera fort. Voilà, le concert sera fort en tout cas. Non, pas du concert. On dit que ça sera bon. Succulent. Ouais. Appétissant. Tout. Tout ce qui est bon dedans. Et fort aussi. Et fort, oui. Ce qui est grand. Fort. On parle de concert. C'est un concert clair ou un concert noir? Clair et noir. Les deux en même temps. Parce qu'il est noir, je suis clair. Donc, arc-en-ciel, clair c'est un concert arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Alors, Emma, qu'en est-il de vos rapports avec Herman? Avec Herman? Herman Ozaïen. Ah oui, lui, c'est mon frère, c'est mon jumeau, c'est mon partenaire. C'est... Donc, vous avez beaucoup de frères comme ça dans le pays? Oui, moi, je suis qu'avec les garçons, avec les hommes. Je ne marche qu'avec des hommes. Ok. Des toutes petites, c'est comme ça. J'ai grandi. Dans la fraternité, il n'y a pas de femmes dedans. Non. Moi, je gère ce milieu-là tranquille. Moi, mes amis, c'est que des hommes. Mais on dit quand tu as un camarade homme, là, tu n'aimes pas que femme vienne au milieu pour faire camaraderie ou tu la chasses. Non, moi, ça me dérange. Tu fais tout pour dissuader le gars pour ne pas qu'elle rentre. Non. Encore moi, mes amis, c'est les hommes mariés. C'est des boss, c'est des grands types, c'est directeur d'entreprise, c'est des personnes posées. Donc c'est dit que ton mariage n'est pas loin avec le diamant que je vois au bout à gauche. Non, ça c'est ma bague, bon c'est mes bagues que j'ai achetées à Paris que je me suis mis au doigt. C'est du vrai diamant? Je te dirai pas. Pourquoi? Toi si tu t'as acheté bague comme ça, toi si tu as mis ton problème. Ça te dérange? Ça me dérange, tu ne peux pas. Tu sais sur mon doigt aussi, pourquoi quelqu'un va me télémer pour lui dire ça me bague? Allez là dans Abidjan, t'as de mon nez diamant sur ton doigt. Emma, toi me faut laisser ça, mais depuis un moment, c'est qui ton nouveau gars? Quand tu es rentré dans le moment de quartier regardé. Mon nouveau gars, c'est le 17 août au Palais de la Culture, à la salle Louga François. Donc, en fait, c'est lui. Voilà mon nouveau gars. C'est lui. J'ai bien dit à la salle Louga François. Bon, c'est là, tu vas se célébrer le mariage. Non, Louga François, c'est pas ton nouveau gars. C'est déjà, il y a un problème. Non, attends, il y a un problème. Parce que là, ce qui nous aide à sortir un nouveau tube qui s'appelle On peut relancer. D'accord. Mais moi, je n'ai pas compris que c'est dit moi. Moi, j'ai vu une image où Kérosène. Arrêté la et puis il y a une image qui passe derrière. On voit une photo de Emma Doblé et de Saga Junior. Et Kérosène dans sa chanson il s'est dit on peut relancer même si vous êtes séparés que vous vous tentez de relancer on ne peut pas vous amener à la police donc vous pouvez relancer. Bon Emma c'est comme ça la chanson là. Oui. Ça là, je ne sais pas. Bon, Emma, non. C'est quel sujet là, toi tu faisais quoi sur la photo parlé. La photo là, tu t'es arrêté, ça gâche. Toi, est-ce que c'était moi sur la photo? Toi, est-ce que c'était moi sur la photo? Jusqu'à ce que le pays a vu. C'est pas moi, c'est pas moi. Si c'était pas elle, elle allait contester, c'est parce que c'est. J'ai une Gmail. Voilà. Où ça? C'est du sexe. Qui est celle avec qui ça gâche, enfin. Hein? Non, elle par contre, c'est ma fille. C'est pas ma Gmail, c'est ma fille. Ah, c'est pas comme si la photo est ma jumelle. Attends, celle qui s'agaille en face de ta fille. Oui, c'est ma fille. Et tu as vu la ressemblance? Oui, c'est ma fille. C'est mon. Mais. Tu vois, non? On va pas avancer là. On peut avancer. On est là pour le concert. C'est bon, on peut avancer. Du 17 août au Palais de la Culture, à la 1600 à la salle Louga François. On va pas parler de ça. On a compris, Alors, Anderson Premier, on t'a connu à l'époque avec un artiste. Tu étais un artiste de l'époque qui faisait que des chansons. À Spot. Beaucoup de succès du nom, on le reconnaît parce qu'à l'époque, on va dire, les premiers gars à faire des morceaux Spot, c'était pratiquement toi et tes gars de l'époque, tu vois. Mais un moment, grand silence radio, tu as disparu des radars. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Bon, la vie, elle est haut et bas. Oui, bon, il faut tout accepter. Et puis, on a beaucoup d'artistes, et on découvre toujours. Voilà, mon silence n'est pas d'abord une perte ou bien une mise, comme je peux dire, en pause. Mais ce que, comme je l'ai dit, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Et puis voilà, je continue toujours ma carrière. Voilà, il y a d'autres choses que je prépare. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vais encore dire, mes mélomanes, mes fans, que je suis encore là, que Anderson Premier arrive encore. Plus fort que. Okay. En tout cas, attends, faut être là. Oui, oui, attends, il y a une petite qui m'implique parce qu'en même temps, je veux aller plus loin. Oui. Anderson, après ton rêve, bon, on va dire après ton silence. Oui. Tu reviens sur la scène avec une nouvelle chanson qui s'appelle Retour à l'envoyeur. Oui. Oui. Franchement, belle mélodie. Il n'y a pas de comme on a dit, de spot dedans. Merci. On te retrouve maintenant un nouvel Anderson, chanteur. Chanteur, pas un spotteur. Voilà. Et Retour à l'envoyeur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vécu une situation où. Retour à l'envoyeur, c'est inspiré d'une prière, en fait. Ok. Voilà, c'est quelque chose qui m'est venu le matin. Et puis voilà,
c'est une prière. Donc, quand tu pries, ça vient. Ce que tu peux dire au Seigneur, c'est ce que j'ai mis en chanson. D'accord, voilà. Ok. J'ai mon vécu, j'ai mes réalités. Ouais, voilà, mais c'est en global tout le monde. En global, voilà. Tout le monde. Ouais. Mais je pense qu'il y a quelque chose au moins que tu as vécu qui t'a inspiré, qui t'a donné de faire ce chant-là. Parce que la manière dont tu le donnes, on ressent quelqu'un qui a été quelque part touché par quelque chose. C'est ce que je ressentais quand j'ai écouté la chanson. Bon, pour ne pas trop aller loin, c'est juste que... Tu veux pas en parler, ici, on est là pour aller loin. Bon, allons comment? Mais si, parce qu'apparemment, tu n'as pas envie d'en parler. Apparemment, je n'ai pas envie de trop parler de tous ces moments-là. Pourtant, tu n'auras pas trop le choix. Et pourquoi? Mais parce que l'on dit que tu as beaucoup copié Dino Malachi à tel point que tu as volé cette bienfaiteur. Moi, Anderson premier? Oui, toi, premier. Qui arrive à dire ça? Ah, c'est tout le monde. Tout le monde. C'est ses fans, c'est ce qui l'entoure. Ceux qui ont refusé de venir vers toi, qui sont encore un peu restés vers lui. Dino Malachi. Ils disent que si les autres ont passé par lui, tu copies. Puis tu ne t'es pas approprié ces bienfaiteurs. Ah ouais? Oui. Ça, c'est la ça, c'est une première nouvelle pour moi. Hein. Ça, depuis que je chante, j'ai jamais attendu cela, mais... Je n'ai volé personne. Ah bon? Voilà, chacun se débrouille, chacun. Bon. C'est un milieu où chacun se cherche. Bon, tu t'es cherché. Voilà. Tes autres collègues, quand ils se cherchent, puis ils spotent leurs bienfaiteurs ici, là. Mm. Ils ont eu la maison, ils ont construit, ils ont réalisé. Mm. Bon, toi, tu as chanté pour les bienfaiteurs. Ouais. Et puis, tu es disparu. Ils t'ont pas donné suffisamment d'argent. Mais chacun a sa manière de gagner son argent. Mais ils t'ont donné. Puis, oui. Je ne peux pas dire qu'ils ne m'ont pas donné. On reçoit parce que je travaille pour recevoir. Ça dépend de ce que tu en as fait. Non, non, non. Dans femme ou bien d'investissement. Bon, c'est ce que les gens vont dire. Mm-hmm. On ne gagne pas de la même manière. Mm. Voilà. Les autres gagnent. Parce que voilà, je vais te donner juste un exemple. Quand tu es ici, il y a un directeur et puis il y a le vigile. Oui. Voilà. Donc les salaires ne sont donc, pas les mêmes. Donc toi, tu es le directeur et c'est le vigile. Quoi. Non, non, non. C'est peut-être sont plus le directeur. Puisqu'ils ont eu, c'est eux qui ont construit. Mm. Moi, je n'ai pas encore construit. Donc moi, je suis encore le vigile. Qu'est-ce qui t'a enlevé ce dégoût-là? Pardon? Qu'est-ce qui t'a enlevé ce goût-là de chanter? Puisque là, tu es revenu autre qu'avant. Tu chantes, tu ne passes plus ton temps à spotter le nom des gens. Je vais te dire une chose, ma soeur. Tu sais, quand on rentre de qualité dans la musique, il faut étudier. Parce qu'on vient pour se chercher, on vient pour se procréer, on vient pour se faire, pour se fabriquer. Mmh. Et donc, les spots, on ne m'a pas imposé le spot. Voilà, le spot, je suis rentré dans le spot parce que c'est le mouvement qui prenait. Je demandais ça, c'est la période voilà. Que ça m'a permis. Ça m'a permis, pardon, à me présenter, voilà, montrer mon talent à travers ce truc. Et au moins, c'est se gérer. Parce que jusqu'à là, c'est moi seul, je me gère. Voilà, donc c'est des trucs qui ne sont pas faciles. Donc si tu trouves un acquis pour accompagner ta petite voix, ta petite force, c'est là qu'il faut te mettre, voilà. Bon. Voilà pourquoi je me suis investi dans le sport. Là, je vais poser une question à Emma. Vous avez fait le choix par rapport au concert de la 1500 places, la salle Louga François. Mm-hmm. Pourquoi pas la 4000 places? Même tu n'as pas foi en lui. Non, ça n'a rien à voir. En fait, moi, c'est un mouvement que j'ai mis en place. Mm-hmm. Oui. Je me suis dit, chaque 4 mois, il faut que je fasse un concert pour un artiste. D'accord. Mm-hmm. Voilà. Quand je dis un artiste, les artistes, déjà, dans le temps qui ont décollé aujourd'hui, qu'on n'entend plus. Et ma pensée, c'est déjà de tout le monde suivre Anderson. Et moi, le projet dans lequel je suis, c'est la 1500, c'est pas la 4000. Qu'est-ce qui a pu t'attirer, on va dire, professionnellement chez cet artiste au point de vouloir réaliser ce concert-là? Parce que, comme je l'ai dit, dans le temps, il moussait. Oui. Aujourd'hui, on n'entend plus. Moi, je sais qu'il est c'est un artiste qui est très talentueux. Oui. Donc, il ne fallait pas qu'on le laisse comme ça. Et je me suis dit peut-être qu'en faisant ce concert pour Anderson, et que par la grâce de Dieu, comme on le dit ici en Afrique, en B, ça sera une porte d'ouverture pour lui. D'accord. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, je commence avec lui, puis après, les autres viendront. Et puis sur le long terme, le produire au milieu, en fait. Il a tout compris. Pourquoi tu ne produis pas les femmes aussi, toi? Mais je t'ai déjà répondu. Toi, la question ici, c'est bon, mais là, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Mais si, il y a un problème. Ça reste une chance à lui depuis ta position. Aïe! On peut faire ça. On salue les gens. Tu seras le maire, t'inquiète, tu vas célébrer ce mariage des gars ou de force. Alors, Anderson Premier et Madouvo, une nouvelle collaboration. Donc, le concert, c'est au Palais de la Culture, à la salle Louga François. C'est ça. Spécialement. Ok, d'accord. Alors, Anderson, est-ce qu'il y a un autre maxi-single qui est en cours par rapport à tout ce qu'on entend déjà? Bien sûr, bien sûr. Il y a un maxi-single, comme tu l'as dit. Et même, je prévois un album. Ok. Voilà, après le concert.
Voilà, parce qu'on a mis ça dans la main de Dieu et je pense que Dieu a déjà béni. Donc je suis venu là pour inviter tous les mélomanes de leur dire que Anderson premier est là. Ouais. Voilà, il y a des nouvelles vagues, je promets encore beaucoup de choses en tout cas. En tout cas, tu as besoin de beaucoup de force et de courage parce que j'ai eu entendre dans mes concours les couleurs, mais ils me promettent beaucoup de couleurs. Il faut aller chiner les informations. Et on me dit que tu as boycotté pendant ces préparatifs de concert. Qu'en est-il réellement? Franchement, j'ai attendu beaucoup de choses. Oui. Parce que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Dis-nous ce qu'ils disent. Parce que peut-être ce qui s'attend, ce qui s'attend, ce qui s'attend, ce que les gens sont ce qu'ils sont. Oui. Voilà, parce que quand tu es un artiste, il faut aller vers tout le monde. Moi, j'ai convoité tout le monde. Je convoite tout le monde, je vais convoiter tout le monde. Voilà, on s'est déjà créé des familles. Si d'autres ont vu des choses malsaines quelque part, qu'ils jugent, ça c'est leur, c'est la manière de juger. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu aurais vu de malsain? Ils t'ont vu dans un couloir avec une marraine en train de négocier le sponsoring, je sais pas. Non, moi, je pense que c'est... Mais la marraine à côté. Moi, ce que j'ai pu attendre, ils m'ont dit que je ne suis pas venu venir vers eux. Ah. Voilà, je ne suis pas venu venir vers eux pour les informer des effectifs du concert. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pu attendre. Sinon, moi... Nous, on n'a rien entendu. C'est dans le Mkunku, en fait. Nous, on n'a rien entendu. Mais sinon, que nous, on lutte pour la bonne marche de l'événement. Sinon, en réalité, il n'y a rien. Moi, je n'ai pas de problème avec rien. Il n'y a pas de chose. Donc, voilà. Le challenge pour vous, si je suis bien, le concert de la 1500 places, c'est un essai. Ou c'est quoi concrètement? Parce qu'on veut avoir une suite. D'ailleurs, on commence petit pour aller grand. C'est quoi? Le concert que Emma Brook met en place, c'est le concert de la 1500 places. D'accord. Peu importe l'artiste que je vais prendre ou je vais proposer le concert, ce sera toujours la 1500 places. Avant d'aller dans l'autre, c'est un concept en fait que tu mets en place. Aïe. C'est la 1500 places. Il n'y a pas assez d'argent pour ça. Ça n'a rien à voir. C'est le projet en fait. C'est un projet. C'est ce que j'ai mis en place. Le projet que moi j'ai mis en place, c'est le projet dans la 1500 places. Moi j'ai une question. Voilà. Faut m'excuser. Pour organiser un concert comme ça, c'est l'argent. Ça sort d'où? Ou bien elle aime Babache derrière. Parce que moi, je comprends, il y a diamant, il y a monte, il y a fait des. Je m'en vais en bête pour revenir pour faire en août. Il y a fait des GG au milieu. Bon, peut-être qu'il y a un vrai milieu de l'autre côté, je ne sais pas. Tout sort, tout cet argent. L'argent, c'est à qui ça dévalait? Vous, madame. Moi, c'est clair. Moi, c'est pas clair. Déjà, pour répondre à cette question, je voulais renchérir ici ce qui. Mon jeune frère vient de dire par rapport à le Mkunku concert. Oui. Moi, franchement, ce qui me concerne, j'en profite pour demander pardon. Je ne sais pas ce qui. On entend, mais nous, on ne nous a pas dit, on ne nous a rien dit. D'accord. Mais j'en profite pour demander pardon à tout le monde. C'est votre frère. S'il y a un problème, on va régler. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le concert, c'est votre concert. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Tranquille. Voilà, donc gros bisous à vos dons, je disais. Merci. Pour te dire, j'ai pas de gros derrière moi. Voilà, ce sont mes économies. J'ai rien, j'ai pas d'aide. Que ce soit en haut ou en bas, j'ai pas d'aide. Aucun accompagnement. Rien. Il y a juste une personne, un ami. Je ne sais pas si je dois dire le nom du truc. Il s'appelle Ake Toussaint. C'est le PDG de All Black. D'accord. Voilà, c'est lui, c'est un frère, c'est un ami. C'est celui-là qui m'aide comme il peut. Voilà, qui m'aide. Mais à part lui, après j'ai mes amis. Mes amis, comme toi, je viens de le dire, il y a mes amis qui sont bons. Dans le showbiz, voilà, qui prennent des tickets de 500 000, 600 000, 1 million, c'est ceux-là. Sinon, pour dire que quelqu'un m'a remis de l'argent pour faire le concert d'Anderson ou pour faire le concert de quelqu'un, que dalle. Mais après tout ce que tu fais pour la culture et pour les artistes ivoiriens, ton normal, quand on dit Emma fait quelque chose, même ton téléphone doit te répéter pour dire viens prendre. Mais pourquoi on ne veut pas te donner ou bien tu es difficile avec cela? Non, je frappe aux potes. Hein. Donc ça dépend de comment tu frappes. Non, je frappe bien même. Si tu tapes sur la porte, tu tapes au milieu. Mais non, on ne va pas donner. Non, je tape en haut, je tape en bas, je tape au milieu. Pas t'inquiéter. Oui, je tape partout. Il ne faut pas blesser les enfants déjà. Non, je tape juste quand je rentre. En fait, je ne sais pas si les gens me voient en argent. Mais les gens se disent qu'elle a déjà l'argent. Pourquoi encore l'aider? Mais pourtant, ce que je fais, moi, c'est pour aider la jeunesse, au fait. C'est ça le gros problème, au fait. Voilà, moi, en gros, comme je le dis, c'est par passion. Pas parce que je le fais pour avoir de l'argent, c'est mes économies. Donc, si je prends, je dis, bon, aujourd'hui, je fais tel artiste que je vais dans un bureau, je ne remets pas de l'argent même. Dis-moi, peut-être que je prends la salle à moitié prix, moi, ça m'arrange. Oui. Ou bien je prends peut-être ticket 5 000, moi, ça m'arrange. Ne me donne rien même. Il y a ça, mais ça même, il n'y a pas que dalle.
Aïe. Oui, c'est parce que je suis forte. Ouais. Quand tu es un grand cœur, tu as tous les amis autour de toi qui t'aident. Ce que je vis, ce que je traverse. Ouais. Mais moi, ça me va. C'est que comme je le dis, Dieu, sur son trône, il va toucher le cœur de quelqu'un quelque part là-bas, qui ne va même pas être fond de moi, qui va être cette fille sur le bas. Elle est ses amis, moi je vais l'aider en retour. Amen. Et ça va se faire. Ah, okay. Amen. Au nom, au nom de Jésus. Amen. Papa, les jaloux. Tu as la nouvelle de Sarah Junior? Donc je disais, il y a mon article qui revient, il y a sorti un dîner son qu'on appelle relancé. Oui. Justement. Tu as entendu ça? J'ai entendu. Comment tu le son? Appétissant. Ah, merci. Et puis on a trouvé aussi que l'image qu'il a véhiculée, toi et Sarah Junior. C'était pas moi. Où il disait qu'on peut relancer. Apparemment, tu étais prêt à relancer. On devait relancer le 17 août au palais de la culture pour Costa d'Anderson. Mais tu n'as pas entendu. Vu qu'il a fait enfant avec ta fille, tu allais saluer le bébé. Hein? L'enfant qu'il a fait. Le son, est-ce que ça n'arrive pas? Est-ce que tu allais saluer le bébé? Place, où es-tu assise? Ça va adopter le bébé. Le bébé n'y a pour rien dans la rupture. Est-ce que tu allais saluer le bébé? Le son n'arrive pas ici. Mais tu pourrais quand même ramener. C'est l'enfant de ta fille. Elle dit son micro. Où est-ce que c'est le mec qui ne bouge le bébé? Moi, j'adore le bébé. J'adore le bébé. C'est... Mais j'ai vu le bébé aussi, flagrante ressemblance. Je t'assure. C'est l'enfant qu'on sait de bébé. En plus, de toute façon, on fait un peu pour son anniversaire. J'ai vu une vidéo d'en bas, il se voit quelque part. Et puis elle a donné joyeux anniversaire. Ouais, je sais pas. Bon, Emma, et la fête de la fille qui dit que tu voulais prendre son mari, tu te promenais trouver son mari, après il y a eu un problème dessus. Non, mais après, je pense qu'elle s'est trompée. Elle s'est excusée après, donc c'était une histoire sur laquelle, pardon, je ne sais pas. Non, c'était pas toi. Elle s'est excusée. Non, c'est pas moi. Elle s'est trompée de personne. Non, c'était pas moi. Comme je dis, moi j'ai beaucoup de personnes qui me ressemblent. Alors donc tu penses que Miss Dior, quand elle disait que elle disait que tu étais toujours en train de tourner autour de son ex-mari avec qui, bon, elles ont eu des problèmes, ils ne sont plus ensemble. Donc tu ne te reconnais pas dans ça. Le son n'arrive pas encore ici. Oui, là on a un problème dans le studio. Et mais apparemment, non, apparemment. Le son n'arrive pas. Quand on rentre Pourquoi est-ce que le son n'arrive pas ici? T'as vu la fin qu'on a son mot là. On a parlé, on a vu bouche. À la fin, c'est fini comment? C'est des accusations. C'est-à-dire que là, on entend les parler, mais peut-être que mon son m'a que. Bon, et ma double prod. On a ceux qui produisent en haut, en bas, au milieu. Non, ça c'est un. Tu m'arrêtes ça. Oh, c'est du pas. Moi, je pense qu'on est là pour mon concert. Oui. Bon, donc alors, on va parler du concert. Tu as parlé de ton album. Mais... Voilà, hein? Oui. Mais déjà, je vais mettre ça d'abord de côté. Tu es en couple? En couple? Oui. Bah, là, on parle de concert, là. Oui. Concert, mais concert, c'est musical. Oui, mais est-ce que tu joues la symphonie? Voilà, est-ce que tu chantes à l'oreille de quelqu'un? Tu chantes. D'une femme. Tu chantes fort. Oui, une sérénade, la belle mélodie. La belle mélodie. Elle a déjà à l'oreille de beaucoup de femmes. Toi seul, combien? Non, parce que parmi mes fans, il y a des femmes. Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'une maintenant? Après, ça dépend. Intimement. Intimement. C'est quand tu est-ce que j'ai besoin de dire ça pour un concert? Oui. Tes fans ont besoin de savoir si tu es dragable ou bien si tu n'es pas dragable. Les fans aiment ce que je fais, donc aujourd'hui je me conduis. Non, les fans rentrent dans ton inbox pour te draguer sur les réseaux sociaux, donc il faut répondre. Ah. Sauf si ça t'arrange qu'elle continue, ça n'engage que toi. Bah, dans tes fans, il y a des goûts, elles font aussi. Voilà. Elles envoient des messages pour dire, ah, Anderson, tu me plais bien, tout ça. Bon, faut dire, moi, tu les gardes. Ah, tu dis Anderson, il y a d'autres même qui disent bébé chouchou. Ah ouais, ça, pourquoi elle dit ça? Parce que les femmes de maintenant, là, c'est la poche, elles embrassent. Les femmes de maintenant font quoi? C'est la poche. C'est la poche qu'elles embrassent. Donc du coup, là, c'est... Donc tu penses qu'il n'y a plus d'amour? Si tu as donné le conseil, mais c'est toi-même ton constat. Pardon? C'est la productrice qui t'a donné le conseil, mais c'est toi-même ton constat. Mais comme Emma, là, tu n'as pas bien parlé. Je ne sais pas. Moi, c'est mon constat, pourquoi? Ça, c'est de moi, il s'agit. Moi, c'est mon constat. Depuis tout le temps, tu as moussé, tu es revenu encore, tu remousses même mieux qu'avant, mais puis il n'y a pas goût à côté. Qui pile photo pour toi, qui prépare sauce pas moins pour toi. Dans l'avenir. Sinon, j'ai une belle petite fille. Oui, mais l'enfant, là, tu n'as pas fait ce comme la Vierge Marie, à ce que je sache. Tu as fait avec qui? Mais en fait, ça... j'ai fait ça avec une femme. Oui. Une belle femme. On dirait que pourquoi tu tues pour avant de dire son nom, une femme, une belle réponse. C'est nous, on connaît ça. Quand quelqu'un commence à tituber, bébé. Non, pourquoi? Tu tues pas. Mais pourquoi bébé, tu bégues pour moi? Non. Une femme qui t'a donné un magnifique enfant, elle est ailleurs, toi, tu es ici. Je suis à l'émission Fafa. Non, elle est à la maison.
est-ce qu'elle a la maison? Est-ce qu'elle a la maison? Elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle est en famille. Ah, vous vivez pas ensemble, elle est en famille. Mais tu n'as pas encore versé la boisson. Qu'est-ce qui t'a assez encore, d'argent j'ai maintenant pas, pour j'ai ça? Pas encore. Comment tu parles de assez d'argent? C'est maintenant on cherche l'argent. C'est maintenant on descend le premier chercher l'argent. C'est ce que tu lui dis quoi? Et puis elle va rester assise longtemps. Non, on se gère. Puis demain, on va voir d'autres ailleurs. Non, 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 non. Il faut préparer quelque chose. Le mariage vient en préparant le mariage. Donc là, c'est combien de temps? Coco, là, c'est combien de temps? D'autres là, ils ont laissé beaucoup de dots. Coco, là, moi, je pense que... Ça dépend de combien de familles aussi, il a déposé les jeunes. Ah, non, ça, c'est toi qui vois ça. Oh, mais si, si, si. Parce que regarde comme il est soit frais, tout comme ça. Quand la go va voir ça. Ah, tiens. Allez là, Tchassi, pas comme ça. Mais quand vous êtes parti à Syrie là pour la fête de la télévision, oui. C'était bien là-bas. Très. Mais pourquoi Emma Dobré voulait pas que son artiste, elle voulait que son artiste dorme seul. Elle était très très ponctuelle sur les précisions de l'installation artistique. Non, mon artiste doit être comme ça, mon artiste doit être seul ici. Mais l'artiste peut ne pas être seul. Pourquoi Emma tu surveilles l'artiste? Voilà, il a besoin d'être massé avant de monter sur scène. Jamais. Voilà. C'était ma question. Oui, c'est la question. Au fait, moi j'ai pu travailler comme ça. De surveiller l'artiste de près. Pas, mais quand je cale un spectacle pour un artiste ou pour mon artiste, j'ai pu fonctionner comme ça. Et puis quand je suis avec mon artiste qui est aux heures, mais quand je vais quelque part, c'est lui qui est assis, c'est moi qui suis arrêté. C'est moi qui tire la valise, c'est moi qui tire le sac, c'est moi je deviens la politique, le manager, tout ce que tu veux. L'artiste c'est le roi, c'est lui. Moi je suis toujours comme ça. Quand je travaille, je vais mettre l'artiste à l'aise. Bien sûr. Et comme c'est moi qui l'envoie en Ségué là, comme je pars pas avec lui, je reste là pour. Travaille sur le contrat. Est-ce que tu laisses des consignes pour qu'aucune femme doit avoir accès à la chambre? Je n'ai jamais dit qu'aucune femme, il dit qu'il dorme seul. Mais s'il va dormir seul, ça veut dire quoi? Il dit comme ça, mais l'artiste peut avoir envie de dormir aussi. Il a dit qu'il a dormi seul, est-ce qu'elle était là-bas pour voir? Il allait travailler. Mais moi je dis que j'ai dormi seul, je suis allé travailler quand on va. Non mais qu'est-ce qu'il prouvait, elle n'était pas là-bas? Mais moi je te le prouve. Mon artiste, il a dormi seul, il allait travailler, il va travailler, il allait dormir seul. Donc tu étais sur vidéo du début à la fin. Hey, mais moi, je dis que j'ai dormi sur le problème. Je crois à mon artiste, vous avez quel problème. Le fait qu'on me dise ouais, de prendre si soin de moi. Si elle m'a fait confiance à un garçon et puis elle ne m'a pas salué le bébé, c'est bizarre. En tout cas, son affaire. Femme, en tout cas. C'est moi son affaire. Là, moi, je prends bébé qui te ressemble, tu vas saluer. C'est vrai, t'as couché au bébé. Le savon. Oui, c'est important. Alors, Anderson Premier. Oui, mais donc, c'est tu prépares un album de combien de titres? Bon, pour le moment, je peux faire 21. Voilà, le 21. Et si ça peut être peut-être 12, 20, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, ça va dépendre de l'inspiration. Donc, ça va dépendre de l'inspiration que tu vas avoir, le travail que tu vas faire et tout ça. Si, si, oui. Ok, mais c'est super. Top. Alors, comme Emma a dit dans l'avenir, est-ce qu'une collaboration de production pourrait en découler de cette. Nouvelle collaboration. Moi, tout ce qui vient à moi pour pouvoir booster ma carrière, bienvenue. Même si une marraine te dit je te veux dans ma vie comme deuxième et je booste ta carrière au-delà de celle de Michael Jackson, j'accepte. C'est toi, tu as vu le mariage en même temps. C'est quel projet? Je t'ai dit quoi? Mais attends, tu as un projet. J'ai dit quoi? Elle produit les hommes. Elle dit qu'elle aime les hommes, elle produit les hommes. Ça ne veut pas dire quand on produit, on fait au mariage. On n'a pas dit mariage, on a dit consommation. Si elle m'a engagé à produire les femmes, je ne sais pas ici. Là, au moins, on pourrait dire que c'est mix. Voilà, il n'y en aura pas trop de bouche. Oui, mais si les femmes, ça marche, c'est quoi? Ça sera mix. Mix? Oui. C'est mix, quoi? Oui, c'est mix. 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 C'est mix. Toi, ta bouche, toi, là, t'es pas allé. Quoi, les gens, tu mettais au contraire. On tasse ta tête, là, t'as fait comme tout à l'heure. Mais elle a dit que c'est mix. Je ne sais pas pourquoi. C'est Emma, ce que j'ai mais dit. Pourquoi le mot c'est mix ça te dérange? Moi-même. Moi-même. Alors, si elle produit homme et garçon, c'est quoi? Mixage. C'est mix. Mixage. C'est mix. Oui, c'est mix. Bon, ok, je pense qu'on va se dire. Alors, Emma, et vous comprenez nous là? Ça va pâter dans ce qu'on est. Dans des choses. Alors, des collaborations sur l'album? Avec d'autres artistes et tout. Ouais, il y a un futur avec DJ Mix justement. Ah. Ouais. D'accord. Voilà, c'est ma sauce quoi. Oui, il y a des collaborations. Oui, Rapivoire, voilà. Péa, tout ça. Tout ce qui est bon pour la chose, pour la bonne marche de l'album, en tout cas. Ouais. D'accord. Alors, Emma, si je te demandais un peu ton avis sur, on va dire, l'industrie musicale en Côte d'Ivoire, ce serait quoi? Les artistes que tu vois qui mouent, ceux que tu penses qu'ils doivent travailler. Puisque quand toi, tu observes des pépites, ils t'attirent.
Et puis tu mets toutes tes économies. Mm-hmm. Donc qui sont ceux pour toi qui pourraient être les prochains Anderson Premium donc, qu'elle vous aide? On ne peut pas savoir. Non mais quand tu regardes, peut-être il y a certains que tu dis, ah, les enfants là, ils sont pas mal. Lui là, s'il travaille un peu. Il n'y a pas que le talent qui paye. Il y a beaucoup de choses qui enveloppent tout ça. Donc on ne peut pas savoir. Le gars, il peut bien chanter dans la cuisine et puis arriver sur la scène, tu sais. Oui. Donc, pas savoir. C'est dur, quoi. Sur la scène, être un bon masseur. Le comportement aussi. Hein. Un bon laveur de voiture. Par contre, là-bas, là, je ne sais pas. Ah. Votre côté là-bas, je ne sais pas. Ah. C'est un gars qui pourrait nous dire ça. Ben, ça, je n'en doute même pas. Ah, ben, ouais. Alors Emma, aujourd'hui là tu as porté pas des frères à quoi? Tu es retenu dans le style des années. Je suis comme ça, non. C'est parce que je suis dans la télé-station, quand même je sors même là. Et je suis comme toujours ça. En bas des frères. Actuellement on est sur le terrain. On basket, vous courez donc galère. C'est la tenue de guerre. Ouais, voilà. Tu habillé comme ça, il y a tant pis. On dit maman, ici quand on est tenu, tu te calmes. Tu te calmes pas. Les enfants aussi, ils étaient poussés. Non, pas les enfants. Non, c'est nous on est pas les poussés. Il y a les gens qui disent non. Je suis fait, calme-toi, on va rester là. Mais si tu étais arrivé d'avoir une proposition et descendre, un nom, tu dis ouais, ma chérie, donne-moi. Et tu donnes un bon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jamais, mais par contre, j'ai un ami, Lala, qui voulait m'inviter à manger. À chaque fois qu'il m'invitait, il lui disait non, je vends des tickets. Il dit mais tes tickets, il faut combien? Dis-moi tout le coup, je vais payer. Là, tu vas venir. On va aller manger, mais tu exagères. Tout ce qu'on t'appelle pas mon ticket, il faut les voir, mais moi, mes tickets. C'est tout le temps pour dire non, mais donner de la proposer de l'argent. Mais non, même pas qu'elle descende. Pourquoi pas? Non, mais en fait, mes amis, on me connaît, on sait que je suis une fiancée, tu as commencé en même temps, dès que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment, de là à là, quoi? De là à là, je t'ai dit tes vérités en même temps. Donc, si la personne te fait un proposer, bon, Emma, je lui donne ces 4 millions, donne-moi un coup. Il y a les succès, toi. Il était super. Non, il était doux, mais c'est le moment où il faut avoir. Il était super. Non, il était super. Non, moi, c'est une proposition indécente. Si je vais lui dire, je t'ai dit ça, mais toi, qu'elle attend, il pose la question. Non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Le gars, il te voit. Le gars, il est où? Il est où? Il est là? Faut l'envoyer. Tout de suite là? Tout de suite, faut l'envoyer. Le gars, il est là? Tu es le gars? Faut l'envoyer. Elle est seconde? Oui! Envoie-le, il lui dit ce qu'il veut savoir, il lui dit, il faut l'envoyer. Non, c'est mieux, tu vas partir dans la pièce là-bas où il est là-bas. Tu vas aller faire ce jour, faire une mule là-bas. C'est que tu as dit là-bas, dans 4 mules là. Ah, d'accord, tu vas essayer. Alors, Emma, à part cela, en ce moment, au niveau de la production, tu as des nouvelles choses que tu es en train de préparer et tout. Oui, en même temps que je prépare le concert, d'accord. Que je prépare la voie des étoiles. Ok, oui, c'est parce que passée, c'est l'année dernière, tu n'as pas pu faire et tout. À cause du concert et l'album qui devait sortir. Okay. Donc cette année, le concert, comme la voix des étoiles, c'est des mises en boîte. Okay. Donc ça me laisse plus le temps de me concentrer sur le concert. D'accord. Donc il y a ces deux choses que je fais en même temps. D'accord, et là jusqu'à présent, la voix des étoiles n'a pas encore vu des pépites sortir. Hein. Si, c'est juste que quand on a fini, il y a quand même trois personnes quand même, mais c'est juste que après vous voilà, signer le canton, c'est pas entendu. Ah, ouais, c'est pas entendu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que je trouvais que ça ne bossait pas plus, il y avait trop de légèreté. Mm-hmm. Ils ont peut-être pensé que j'étais peut-être la mère Teresa. Quand tu rentres dans le label, ma deux prod, c'est bim. Mm-hmm. Avec moi, il faut bosser. Et je suis beaucoup strict dans le travail. Donc, je sais que mon jeune frère a remarqué un peu la pression que je lui mets. En fait, c'est pas quelqu'un qui n'a pas la main à la poche, mais c'est quelqu'un qui, quand elle met la main à la poche, il faut mériter sa sueur. Voilà. C'est ça. C'est ça. Vous ne savez pas comment l'homme gagne son argent, vous voulez qu'on vous donne ça facilement. Quoi. Mais est-ce que ce n'est pas parce que tu n'es pas plus sur les contrats aussi? Non, après les contrats, c'est les contrats. Hein. Bien sûr. C'est juste une formalité. C'est une formalité. Mais ce n'est pas ce qu'on suit réellement sur la vie normale, non. Tu vois, c'est juste des contrats, c'est juste, tu dis non, tu te couvres, tu me couvres. Mais après, tu te dis non, va chanter à 5h du matin. Et que tu veux que je fasse, je ne sais pas qu'il faut aller chanter, faire ça dans le contrat. Oui. Tu reposes. Ouais. Voilà. Alors, mais nous, on a reçu un de tes artistes qui est passé dans la voie des étoiles, qui disait comme ça que lui, il a trouvé que le pourcentage de partage sur son contrat avec toi était énorme, que c'était exagéré. Et c'était combien? Il parlait de vous, c'était pratiquement à 50-50. Ouais. Sur toutes les prestations, sur tout ce qui va avec. Est-ce qu'il a déjà eu un producteur? Jamais. S'il a déjà eu un producteur, il n'a pas parlé comme ça. Parce qu'il y a des producteurs qui prennent 70%. On est d'accord? On est bien d'accord. Et ceux, les producteurs qui prennent 50%, on peut le compter au bout du doigt. Mm-hmm. Peut-être que ça n'existe même pas. Parce qu'aujourd'hui, là, on va dire qu'au niveau de la vente, ça ne paye plus. Donc ça ne paye pas, c'est les concerts. C'est les prestations, les spectacles et tout ça. Voilà. Donc si tu,
Si tu penses que les 50% sont beaucoup, mais il n'y a pas de problème. Je te reviens un peu dans ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Mm-hmm. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de trouver un producteur. Les jeunes talents qui veulent émerger, quand aujourd'hui les gens veulent vous produire, ils sont obligés de chercher un moyen aussi pour pouvoir récupérer l'argent qu'ils mettront sur vous. Avant, c'était l'histoire des parrainages et tout. Maintenant, c'est devenu un business. S'il y a un producteur, c'est que c'est son business. Voilà, donc du coup, un business, ça demande une rentabilité. Donc voilà, à vous les jeunes aussi qui ont même envie d'émerger, quand vous commencez, faites aussi des sacrifices. Parce que personne n'a commencé, même nous-mêmes, coupé, décalé, jet set que vous voyez là, et tout notre argent est quitté en France là. Dans production, nous l'avons déjà au début qu'on a commencé. C'est après qu'on a appris. Et puis aujourd'hui, on sait un peu comment les rudiments du métier se passent. C'est un message que je lance aux jeunes talents pour que vous puissiez faire des efforts aussi pour accepter certaines choses. C'est de décoller, c'est de sortir d'abord du lot et puis après les autres choses. Ça se fait, voilà. Même les familles pour pas la manger. Ils les ont. C'est pour ça qu'il n'y a pas de producteurs. Oui, oui. Ouais. C'est pour tout ça. C'est pour tout ça. L'alox, c'est la seule vraie. Les vrais, oui. Les vrais cheveux. Cheveux. Non, pas mes vrais cheveux. Ah. Ah, il y a vu combien d'années. Ça, c'est pas cheveux des Indiens. Ils sont allés prendre un coin là-bas pour te donner. Tu sais pas. Ça dépend, souvent, hein, c'est ça. Ouais. Ça, il y a un vieux indien qui est couché en Inde là-bas, ils ont coupé ses cheveux venus de l'Indonésie. Non, ça là, souvent, c'est pas cheveux, c'est bab. Non, bab, c'est que ça, c'est bab. Il a poussé ça. Ça, ça doit être bab d'un indien. Si. C'est ça, c'est un grain même. Mais Emma. C'est un gros grain. Emma, il y a les vieux indiens là. Ils ont les bab pour eux, ça là, c'est les amours. Non, mais. Pas les amours des cheveux, ton nom là, les amours des cheveux des indiens. Oui, les maharajas indiens. C'est lourd comme ça. Il y a des mêmes matins de chez moi, il y a des gens qui arrivent. On ne peut pas enlever la barbe pour venir mettre ça sur les cheveux. Il y a des dit que si, il faut faire. Il y a dit les Maharajas, tu vois les Maharajas, ils ont les longues barbes comme ça. Déjà, tu as vécu avec eux. Moi, je me documente. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, ouais. Quand c'est toi, c'est ça. Mais quand c'est moi, on a vécu. Tu fumes comme ça? Tu viens t'arrêter. Tu fais quoi? Tu fumes? Est-ce que tu dois dire ceci? Bah, non, il dit pas. Non, il ne fume pas. D'accord. Même pas la drogue, souvent? Ah! Je te comprends, elle est chaud, chaud, mais attends, je vais exagérer. Ah, ya! Tout le sang que tu veux, tu dois fumer ça, ma voix, c'est qu'il y a vous, mais là, il y a Alors, en dessous de tout le monde, j'ai envie que tu fredonnes un peu ce à quoi on va s'attendre au concert, quand même. Petite mélodie pour nous là-bas, mon cher. Quand on se réveille les matins, c'est Dieu nous prie pour avoir notre pain. Oh, nous on n'est pas des saints, mais le mal, on souhaite pas ça à quelqu'un. Oh, nous là on sourit avec tout le monde, on a les dents blanches et le cœur blanc. Malgré tout ça, il y en a qui sont dans leur coin et qui font tout pour nous voir échouer. Oh. Oh mon Dieu, toi tu sais que nous on n'a pas problème avec quelqu'un. Oh, dans tout ce qu'ils font pour nous voir tomber là, au nom de Dieu ça doit retourner vers eux. Et retour à l'envoyeur. Ah ouais, magnifique, ça magnifique, franchement, à... magnifique. En dessous de moi, en fait, c'est une mélodie virevoltante parce que tu vois, on sent que... Mélodie comment? Virevoltante. Eh ben, voilà. Tu vois, c'est... Bonne fin de saison. Ouais, c'est ça, même les artistes, on se comprend, ça. Ouais, ça voilà, c'est ça. Allez, les ingles, c'est nous qui sommes... Ouais, moi, c'est ça, c'est... Toi, tu es une go de souvent tu vas voir les gars pour dire donne-moi un peu de taf là. Oh, où ça? Déjà, tu peux nous dire ce que tu feras pendant ces vacances là, quand même? Oh, on va s'amuser un peu. Déjà, on se voit qu'on s'est dans des centres primaires pour le soutenir, le soulever, déposer. On va se lever là-bas. Pas trop haut quand même, pas trop. Si, on va venir là-bas, on va faire ça. Amen. Et voilà, c'est là avec le Moula, avec Lino Versace. Alors, je vous dis, on sera présent à ce concert-là. Serge, il fallait Lino Versace, le Moula. On va faire un peu le soulever, déposer pour vous là-bas. Donc, venez nombreux pour le concert dans des centres premiers. Si on passe la culture dans la salle Louga François, la 1500 places théâtrales. Quoi. Emma Doulet fait comme en France. C'est le même capacité que la salle de France, là, tu vois, c'est le même style hein, que les casinos de Paris, voilà. C'est le même 1500 places là. Donc voilà quoi. Alors, Emma, donc vous avez lancé un appel à vos fans, aux fans d'Anderson, à venir nombreux à ce concert. Donc, Anderson, parole. Voilà, moi, je vous invite, hein, voilà. Il y a longtemps, mais je suis là. On a souhaité être réunis dans une grande salle. Voilà, toujours je vois vos commentaires, vos trucs. Aujourd'hui, voilà l'occasion qui est venue grâce à Emma. Alors, c'est le 17 août, c'est une date. Alors, j'invite tout le monde, tous les bons petits de Dieu, venez massivement, prenez les tickets, pour, comme on le dit dans nos jargons, et venez, on va faire le show ensemble. Voilà, merci. La marraine Mathilda. Ouais, les tickets sont à 10 000, 20 000.
Voilà, okay. On a déjà été déjà sur dans les différents coins de, points de vente. Donc, okay. Il faut déjà aller prendre vos tickets. Mais nous, reste que un mois jour pour jour. Donc, courir, aller prendre vos tickets. Parce que ça va se savoir ce jour-là. Amen. Il a tout dit. Hein. Oui, on sera là. La diète, c'est la présence. C'est obligé, on sera là. Amen. Merci. Merci. Vous aimez. Ok, alors, dames et messieurs, notre émission tire maintenant à sa fin. C'était là, en ce moment, on a reçu Emma Dobé et Anderson Premier. Comme nous l'ont dit, bientôt le concert, c'est dans un mois jour pour jour. Prenez vos tickets, ne ratez surtout pas cet événement, parce que c'est un artiste pétri de talent avec des très belles musiques. En plus, j'oubliais de demander sans live. Sans live. Obligé. Ah, sans live. Sans live. Vous avez entendu sa voix en live, imaginez ce que ça va donner. Ça sera vraiment de la bonne, de la bonne, de la bonne vibe. Et des bons moments à partager. On est en vacances. N'hésitez pas à vous lâcher, aller tourner, sortir avec les enfants, aller à des concerts. Vivez. Vivez la vie. Vivez. Voilà. Alors, Yumi, notre sortie à sa fin. C'est en tout cas, ça a été une belle fin de saison avec tous ces artistes qu'on a eu à recevoir. Remplis d'émotions, quelquefois, quelques pubs, tout ça. Bonjour, Sarah Juno. Bonjour à tous. Coucou, bébé aussi. On enverra le savon noir d'Ivoire TV. Savon noir. Savon noir. L'enfant là seulement, je pense que tu vas être la marraine. La marraine. Oui, oui, oui. En tout cas. Et va. Et va la marraine. Et va. C'est Michel. Oh Seigneur. Et ne regardez pas ça, je vais dire, c'est ma barre. On s'est tué, on s'est taqué régulièrement quand on se croit. Bon chic, mon Jean, bon amusement, mon enfant. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. N'oubliez pas de partager le Fafa, toujours disponible. En ce moment, je suis le mieux déposé en pole position des hits. Partout sur les chaînes, il était à déposer, à soulever, à déposer. Voilà, et ma douleur, on l'a fait. Ça. C'était une séquence de boucan depuis Paris, de l'époque. Merci, donc on se retrouve très très bientôt. Yumi, à toi la muse. Merci à vous qui nous avez suivis durant toute cette saison 3. Continuez encore de nous regarder en stream sur la chaîne YouTube Ivoire TV, Musique Ivoire FM. Merci à Soko, à Santiago, à Nibier Junior. Merci à toute l'équipe. Merci aux artistes qui sont passés ici. Pardon pour ceux à qui on a fait un peu de trucs. Voilà, ça fait partie du game, c'est le grain. C'est la famille, voilà. Que c'est le passez grain. Des excellentes vacances. Sortez avec vos enfants. Allez au concert d'Anderson parce que ça c'est sera phénoménal le 17 août à la salle Louga. François, j'y serai aussi pour aller prendre un peu quelques potins pour la prochaine saison, quoi. Plein de bisous. Que Dieu vous garde. Et puis, Sarah Junior, le savon, il arrive. C'est là, va vous suivre, il m'a doublé. Voilà. Le prochain tube, c'est accepté. Donc, accepté.